Pardon, mademoiselle, je me croyais seul. Permettez. Mais vous fumez? Oui, si la fumée ne vous gêne pas, alors j'en profite, merci. Monsieur là, mon rafraîchissement. Bien les malades, café chaud, sandwich. Permettez que je vous offre quelque chose? Non, merci. Oh, si, buvez un petit café, vous me direz merci après. Maman, je suis confuse. Oui, et deux cafés. Avec un peu de lait? Un nuage. Un nuage. Merci. Merci. Chez moi, j'en bois du bien meilleur, hein. Sans doute parce qu'il est délicatement préparé par une épouse aux petits soins. Non, par une servante. Servante très bien, très bien. Oui. Ah oui? Oui, mais légèrement acariâtre et qui m'en voudrait énormément si elle savait que je bois le café de la SNC. En compagnie d'une inconnue. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons faire connaissance. Oui, vous m'intéressez infiniment, mademoiselle. Vous vous intéressez beaucoup aux femmes en général? Professionnellement parlant, oui. Seulement par devoir professionnel? Non. Non, également sur le plan artistique. Voyez-vous ça? Mais qu'est-ce que vous faites donc? Devinez. Vous travaillez dans les textiles et vous venez voir les nouvelles collections d'Elbeuf. Oh, bravo. Alors là, on peut dire que vous avez du flair. Non, mais je viens également pour régler une affaire financière avec mes patrons. C'est qui êtes-vous? Boyer Frère. Vous savez, la maison Boyer. Je les connais. Ben, voyez-vous, alors c'est parce que je suis dans les textiles que j'ai appris à connaître le plaisir que l'on a à toucher de belles étoffes et une peau satinée. Je crois connaître vos préférences. T'en reproches? Le reproche d'aller un peu trop vite. Mais nous sommes dans un rapide. Vous devriez l'oublier. J'ai horreur de l'omnibus. Son charme. Il permet de musarder en route. Vous avez raison, je suis un idiot. Merci pour cette leçon de bonne conduite. Laissez, acceptez, je vous en prie, ça me ferait tant plaisir. Vous êtes vraiment trop aimable. Il n'y a pas de quoi, où allez-vous? Et vous-même, cher monsieur? Moi, je vais quai du Havre, mais je peux vous déposer. Où? À quelle adresse? Place de la cathédrale, ce sera très bien. Alors, vous ne voulez vraiment pas que je... Je dois descendre ici, je suis tenue à quelques précautions. Tant pis, alors je n'insiste pas. Je vous remercie. Mais nous nous revoyons ce soir, comme prévu, à l'auberge de Saint-Maclou. À 7 h, c'est d'accord. Non, non, mais je compte absolument sur vous. Hein. C'est promis. Au revoir, cher monsieur. Au revoir, chère madame. Mais dites-moi au moins votre petit nom. Vous y tenez? Bon. Viviane. Merci. À ce soir, Viviane. Attendez. Bonjour, monsieur Lombard. Bonjour, monsieur Bernard. Monsieur Boyer, là? Monsieur Boyer est absent pour quelques jours.
Ah, c'est ennuyeux, c'est moi qui viens de Paris exprès. Oui. Bah, c'est au sujet de la lettre que j'ai reçue hier. Oui, je sais. Oui. En fait, tant pis, je vais attendre le retour de M. Boyer. C'est inutile. En partant, M. Boyer ne m'a pas mâché ses mots. Si M. Lombard ne rembourse pas immédiatement, nous porterons plainte contre lui. Une plainte? Mais dites donc, mais je ne suis pas un voleur. Tout employé qui détourne à son profit des sommes qui lui ont été versées pour le compte de son patron commet un abus de confiance. Oui, 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 mais enfin, depuis 20 ans que je travaille pour la maison, jamais M. Boyer n'a eu la moindre chose à me reprocher. Enfin, je me trouve momentanément gêné. Nous ne voulons pas le savoir. Remboursez dans les 48 heures les 1 500 000 francs que vous avez gardés par-devers vous. Sinon, vous m'exécuteriez. Oh, je vous en prie, M. Bernard, dites à M. Boyer. Notre entretien est terminé, M. Lombard. Enfin, je pourrais verser un acompte à la fin du mois. Je regrette, je n'ai pas qualité pour en discuter. Mais mettez-vous à ma place. Vous plaisantez. Bah, dites-moi au moins comment je... pas de conseils à vous donner. Ou plutôt, si, j'en ai un. Tâchez de trouver une solution. Et très rapidement. Une solution, c'est facile à dire, ça. Une solution, moi, j'en vois pas. Ou alors, si, il me reste plus qu'à aller cambrioler une rentière. Au revoir, Monsieur Lombard. Salut Lombard. Oh, le blond. Mais qu'est-ce que tu fais à Rouen? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Mais pas le temps, mon vieux, voyage éclair. Et tu es arrivé quand? Ce matin. Ah, content de te voir. Moi aussi. On en reçoit. Mais si tu veux, oui. Le Muscadet, ça te va? Très bien. Alors, ces assurances, ça marche toujours, oui? Oh, du tonnerre. Ah, toujours célibataire? C'est... oui. Enfin, comme ça. Oui. Et ta femme va bien? Oh, mon Dieu, oui, merci. Et tes affaires? Bah, ça va, mais j'ai des ennuis avec la maison Boyer. Des ennuis? Ouais, j'ai besoin d'1 500 000 dans les 48 heures. Pourquoi faire? Bah, je les dois à Boyer. Oui, puis je les ai pas. Hein. Oh, sale histoire, dis donc. Ouais. Dis donc, tu pourrais pas m'aider, toi, non? Oui, ça serait encore 4 ou 500 000, je dis pas, mais une somme comme ça. Et parmi nos amis, tu ne vois pas... Que veux-tu en 48 heures? Bah oui, évidemment. Ah, je suis embêté, moi. Ah bon, pauvre vieux. Ben, je t'emmène déjeuner, on parlera de ça, puis j'avise en moyen de te dépanner, hein? Max. Merci. Paulo. Riquet. C'est pour le travail de samedi. Et dis-moi, il y a eu du grabuge à Elbeuf. Manque de peau. On avait bien sonné les gars, seulement le convoyeur s'est réveillé un poil trop tôt et il a lâché la purée. Vous m'avez ramené l'oseille de l'usine, c'est l'essentiel. Il y a des nouvelles du robot? Ben, il est planté à Marseille. Et Roger? Ah, lui, pas de danger qui parle, il a avalé sa mouillette. Oh, mec, dis donc. Des risques du métier. Alors, les ordres? Rien pour aujourd'hui. Toi, Riquet, tu fileras demain matin à Beauce pour voir Duval. Ça marche toujours, ton trafic? Ben, plein tube, tu parles. Dis donc, j'en profite rien pour aller faire un petit tour d'abord, moi. Interdit de se bagnoder. Interdit? Par qui? Par moi. Écrase, tu veux? Bon, ça va, j'ai rien dit. Calte maintenant. Vous êtes satisfait? Tout va bien? Ouais. Merci. Comment trouves-tu la nourriture? Ah, c'est excellent, hein? Et le patron a l'air d'un original. Comment trouvez-vous le canard maison? Succulent. Et après le fromage, qu'est-ce que vous prendrez comme dessert? Une pêche. Ah, je tiens à la choisir moi-même, parce que je veux que vous restiez ma cliente. Il m'est venu une idée. Ah, je pensais à quelqu'un qui pourrait tirer l'affaire. Un de tes amis? Oh non, Rameau n'a pas l'ami. Non, non, c'est un type qui prête de l'argent, une sorte d'usurier. Oh. Ça te plaît pas? Non, j'aime pas beaucoup ça, moi, tu sais. À part lui, mon vieux. Ben, tant pis, qu'est-ce que tu veux? Vois toujours ton usurier. Je lui donne un coup de fil. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, Simon. Bonjour, regardez. Bonjour. Si vous le désirez, j'ai encore une très bonne table au fond. Merci. Parfait. Gordy. Oh. L'as des reporters de Paris-Normandie. Mon ami Lombard de Paris, avec qui j'ai usé mes fonds de culotte sur les bancs du lycée. Enchanté, monsieur. Moi de même. Mon excellent ami Marval,
directeur des services de police technique de Rouen. Très honoré. Monsieur le directeur, donc pour ne rien vous cacher, mon ami Marval est un policier pas comme les autres. Non, ce serait plutôt une manière de Sherlock Holmes. Mais Gordy fait du roman comme tous les reporters. Je vous en prie, continuez à déjeuner. Merci. J'ai un coffee à donner, pardon. Allô? Monsieur Rameau? Oui, c'est moi. Ici Leblanc. Ah, bonjour, cher ami. Dites-moi, je voudrais vous présenter un de mes amis pour une affaire particulière. Ce soir, si vous voulez. Mais très tard, pas avant minuit. Et à quel endroit? Au Perroquet Blanc. Bon, eh bien, alors, ce soir, minuit, alors entendu. Entendu. D'accord pour ce soir, mais à minuit seulement. À minuit seulement? C'est embêtant, ça, dit donc. Mais j'ai pas retenu de chambre. Je téléphonerai à l'hôtel de la Poste, mon vieux. Où est le rendez-vous? Dans une boîte de nuit, Perroquet Blanc. Non. Hum? Ah, à minuit, c'est ennuyeux, ça. Pourquoi? Tu voulais te coucher de bonne heure? Bah, oui. Enfin, oui, oui, oui et non, quoi. Non, écoute, je vais te dire. Voilà, en venant dans le train... Oui, tu as rencontré une femme. Ah, éblouissante, mon cher. Je dois la retrouver à 7 heures. Alors, je pense que cette petite aventure ne se terminera pas là, quoi. Voilà pourquoi le rendez-vous de minuit m'empoisonne un peu. Eh bien, tu amèneras ta femme éblouissante au cabaret, voilà. Ah non, ça, elle n'acceptera jamais. Elle a l'air si sérieux. Oh, laisse-moi rigoler. Tu n'as pas changé, mon vieux. Toujours aussi coureur, aussi naïf. Sacré Lombard, ben. Oh, bonjour, cher ami. Bonjour. Vous déjeunez avec nous? Non, je suis avec des amis. Oh, tous les raisons pour moi. Laissez-moi vous présenter mon ami Lombard de Paris, Madame Desroches. Enchantée, madame. Bonjour, monsieur. Je m'excuse, Paul. Au revoir, Paul. Au revoir. Merci. Dis donc, tu la connais bien, cette dame? Comme tu vois. Elle est vraiment mariée? Oui. Tu connais son mari? Non. Voyageur de commerce, 6 mois de l'année en voyage. Ah, je te vois venir, toi, vieux paillard. Cette jeune femme t'a tapé dans l'œil, hein? Tu as une idée de derrière la tête. Ah, grand Dieu, non. Avec les enquiquinements que j'ai, non. Oh, tu l'as dévoré des yeux. Bah, dis donc, mais elle est à croquer. Elle a mal déjeuné. C'est très bien. Précisément, ça m'a mis en appétit. Aujourd'hui, je termine mes affaires ici. Et demain, nous pourrons aller où tu voudras. Oh, ça, c'est gentil. À Dieppe ou à Deauville? Oh, à Deauville. Je préfère aussi. Je vais donner un coup de fil pour retenir une chambre Normandie. Alors, ça avance? Oui, je vais voir Philippe de Désossé. Et regarde-le bien, j'ai l'impression qu'il en a pris un rôle de coup. OK. Bonjour, monsieur Gamet. Je voudrais vous dire deux mots. Passe dans mon bureau. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis danseuse. Danseuse? Oh, c'est bien, ça, danseuse. Et où dansez-vous? Au Perroquet Blanc. Oh, ben, j'irai vous voir. Moi, j'ai un perroquet vert. Ah oui? Oui. Ah, puis d'autres animaux, des singes. Des singes, ici? Oui, à côté. Ça vous amuserait de les voir? Oh oui, j'adore les singes. Ah, ben, je vais vous les montrer. Dites-nous, Edmond. Nous parlions de votre patron. Ça amuserait mon ami Lombard de jeter un coup d'œil sur son musée, sur son zoo. Dites-lui donc de venir nous parler, voulez-vous? Bah, il vaut mieux que je n'aille pas le déranger. À l'heure du coup de feu. Il confond le coup de feu avec le coup de foudre. Oui, mais pas avec le coup de fusil, j'espère. Hein? Certainement pas, monsieur. Le patron ne fait plus visiter sa collection depuis qu'un client indélicat lui a dérobé un bouddha de valeur. Bah, c'est un principe qui ne s'applique pas à tout le monde, à ce que je vois. Les visites sont sans doute réservées aux personnes du beau sexe. Oui, à condition qu'elles soient jeunes et jolies et seules. Il est jaloux, lui? Oh, mais non, monsieur. Vous faisiez vraiment une drôle de tête. Bah, dame, je ne m'attendais pas. Heureusement, d'ailleurs, que Leblanc vous a aperçu le premier, parce que sinon, moi, j'allais gaffer. Le plus drôle, c'est que vous connaissiez Leblanc, vous aussi. Bah, non, j'ai fait mes études à Rouen, alors nous sommes des copains de lycée. Quoi. Tout s'explique. En tout cas, mes compliments. Vous ne manquez pas de sang-froid. N'est-ce pas? Oui. Vous allez souvent chez Simon? Oui, souvent, lorsque mon mari est absent. Ah. Au fait, vous l'attendez quand, votre mari? À son retour. Bien. Bon. Bon, alors parlons de choses sérieuses maintenant. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Rien de particulier. Bon, ben nous dînons ensemble alors. Où ça? Chez Simon? Si vous voulez. Non, voyons, j'y suis trop connue. Ah, de Leblanc, hein, je sais. Une scène de jalousie, déjà. Non, je plaisantais. Moi aussi. Non, non, nous irons où vous voudrez.
et après le dîner, au cinéma. Mmh. Quoi, ça vous plaît pas le cinéma? Et vous? Le cinéma? Oh, j'adore le cinéma, surtout en compagnie d'une jolie femme. Vous êtes cynique. Et vous, adorable. Alors vraiment, ça vous a plu? Beaucoup. J'adore les films sentimentaux. Moi, je préfère les films de gangsters. Et maintenant, je vous emmène. Vous m'emmenez où ça? À un endroit où j'ai rendez-vous. Un rendez-vous? Oui, un rendez-vous. Taxi! Merci, nous sommes attendus. Ah, venez, cher ami. Bonjour, Paul. Je ne vous présente pas, je pense que vous vous connaissez, oui. C'est avec lui que vous aviez rendez-vous. Oui, enfin, avec lui et avec quelqu'un d'autre. Il n'est pas arrivé, non? Félicitations. Non, non, non. Tu permets? Je m'y sens, n'est-ce pas? Une autre, merci. Bien, monsieur Leblanc. Eh, hey, monsieur Leblanc, dis donc, mais tu es connu, c'est... Un peu, oui. Et voici Aglaé. Une chanson folle de Pierre Roche et Michel Vendôme. C'est aujourd'hui le printemps. J'ai pas d'argent, je suis fauché. J'ai les dettes dans tout le quartier. Ça m'est égal, c'est affolant. C'est aujourd'hui le printemps. J'ai des ennuis dans mon boulot. J'ai toujours le patron sur le dos. Et pourtant j'ai le cœur content. C'est aujourd'hui le printemps. Le soleil fait de l'œil au génie de la Bastille. Dans la rue qu'elle accueille, y a des gars, des filles, des gars, des filles. Y a un garçon qui m'a souri. Et j'ai cru voir le paradis. Il arrive juste au bon moment. C'est aujourd'hui le printemps. Accueillez-moi quand il m'a abordé. Ah, quelle joie quand il m'a regardé. Accueillez-moi quand je l'ai accompagné. À quel gala quand on s'est embrassé. Je n'ai rien d'autre à lui donner que mon petit cœur passionné, que grand amour éblouissant et que mon jour de printemps. Pourtant je suis riche à millions, car j'ai ses yeux, ses cheveux blonds, ses sourires et ses joies d'enfant. Et tous les jours du printemps, je crois que mon bonheur rendra les gens jaloux. Mais j'avouerai sans peur que je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Je sais que nous serons heureux tant que le ciel restera bleu. Notre amour durera longtemps, tant qu'il y aura du printemps, tant qu'il y aura du taglada printemps. Bonsoir, mon chou. Ah, bonsoir, mon chou. Ah, mais décidément, tu es très connu ici, hein. Tu vois, Gabi, Madame Desroches, de Paris. Je peux m'asseoir, oui? Mais elle est charmante, dis donc. N'est-ce pas? Hein? Bien me suivre. Il nous attend à côté. Ah, excusez-moi un moment, chérie, je reviens. Je vous en prie. Je suis là tout de suite. Je ne vous ai jamais vu ici. Vous ne venez pas souvent? Non, et vous? Moi, je suis là tous les soirs, je suis entraîneuse. Je me suis laissée entraîner. Ah. Monsieur Rameau. Excusez-moi, mais j'ai horreur de mener des femmes à mes affaires. Henri Lombard. Enchanté. Très heureux. Asseyez-vous, je vous en prie, ici nous serons plus tranquilles. Alors, monsieur, il s'agit de quoi? Ah, il s'agit d'un prêt. Combien? 1 500 000. Ah, je vous préviens, je ne consens que des prêts à assez court terme. Pour combien de temps? Ah,
sais pas, alors disons 3 mois. Vous êtes dans les affaires? Et mon ami Lombard est le représentant à Paris de la maison Boyer. Ah, et Soiry? Oui. Oui, c'est une garantie. Eh bien, écoutez, quand j'aurai pris des renseignements, disons d'ici 2 ou 3 jours... Deux ou trois jours, mais je ne peux pas attendre. Comment cela? Mais non, il me faut cette somme demain. Demain, j'ai besoin de me renseigner. À moins que vous n'ayez d'autres garanties à m'offrir. Non, ça, je ne vois pas ce que je peux vous offrir d'autre. Vous permettez? Ça ne vous fait rien que je vous laisse seule. Mais non, voyons. Bref, c'est une fin de non-recevoir. Nullement. Enfin, je pense que vous comprendrez. Ah, écoutez, réfléchissez, je m'excuse, mais je suis attendu. Je ne suis venu ici d'ailleurs ce soir que pour vous être agréable. Voyons, passez chez moi demain matin ou demain soir, Leblanc vous donnera mon adresse. Je m'excuse, mais je suis pressé. Pardon. Oui, qu'est-ce qu'il y a, ma mignonne? Comment vous trouvez ça? Oui, pas mal. Combien que vous en donneriez? 100 000. Ah! Riton m'a dit que ça allait chercher dans les 7 à 800 000. Ah oui? Et il t'a dit où il l'avait acheté? Il t'a dit qu'il pourrait montrer la facture au poulet, hein? Non, mais sans ça, ça vaut mieux que ça. Pas pour moi. Bah écoute, si tu es d'accord, passe chez moi un matin entre 11h et midi. Vous voulez pas que j'aille vous retrouver ce soir après la fermeture? Non, pas ce soir, pas en vie, ma mignonne. Oh, celui-là, quel radin! C'est un drôle de bonhomme, ton Rameau, hein? Un peu expéditif. Ça oui, pas comme dans l'affaire. C'est quand même un brave type. Ah oui? Nous, on l'aime bien, il est gentil. Tiens, vraiment. Pas Loulou? Quoi donc, on l'a fait? Rameau, c'est pas un mauvais gars. Non. Alors, qu'il s'agit de l'inversa plutôt radin. Pourtant, qu'est-ce qu'il a comme oseille? Ah ouais? Si je peux vous le dire, je le connais. Je suis allée des fois chez lui. Il est méfiant. Il a toujours peur qu'on aille faire un tour dans son bureau. Tiens, pourquoi? Il a un coffre-fort qui est grand comme une armoire à glace. Un matin, en douce, il regardait par le trou de la serrure. Dans un mot, il rangeait des bifetons, des tas de bifetons et des lingots d'or. Je crois que je l'ai connu, moi, ce bonhomme-là. Il habitait 26 rue Nationale. Maintenant, il habite 40 rue Beauvoisine, en première gauche. Je suis sûre que c'était rue Nationale, avec une vieille sœur plus âgée que lui. Il habite tout seul. Il n'a qu'une vieille bonne chez lui, qui vient tout le matin et s'en va tard le soir. En tout cas, c'est pas prudent. S'il vit seul comme ça, comme vous dites, avec tant d'argent. Si vous voyez son coffre-fort, c'est du solide. Il n'a pas besoin de billets dessus. Et puis d'ailleurs, il pourrait pas. C'est un drôle de cavaleur, vous savez. Il passe presque toute la nuit dehors. Ici, surtout. Il rentre chez les coqs qui jouent. Je suis sûre qu'en partant d'ici, il est allé dans une autre boîte. Pas Gabi? Sûrement. C'est ennuyeux qu'il n'ait pas marché, ton bonhomme, hein? Qu'est-ce que tu veux que je lui offre comme garantie, moi? Te frappe pas, mon vieux, je vais peut-être trouver autre chose. Je passerai à ton hôtel demain, tiens, à 10h, ça te va? Bon. Au revoir. Allez, on va faire, allez. Au revoir, C'est beau, les amoureux, hein? Allez, rentrons. Oui, nous rentrons. Rentrons en marché un peu, nous allons prendre l'air. Ça nous fera du bien, je vous emmène. Où ça? Vous verrez. Oh, vous n'y pensez pas. Comment? Mais je ne pense qu'à ça, ma chère. Voulez-vous être sage? Allez, je veux rentrer. Nous rentrons, voyons, nous rentrons. Enfin, vous n'imaginez tout de même pas. Je n'imagine rien du tout. Viviane, tu es là? As-tu réveillé, chérie? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, je m'habille. Hein? Mais quelle heure est-il donc? Bientôt 11h. Non. On dit dans les Leblanc qu'il doit venir me chercher à 10h. Il a téléphoné pour s'excuser. Hein? Il a dû aller au Havre pour une affaire importante. Alors il a dit que tu l'appelles chez lui après dîner. Bah, tu aurais pu me réveiller. Tu dormais si bien. Alors tu me quittes maintenant?
Oui, il faut que je passe chez moi, puis j'ai des courses à faire. Bon, mais on se revoit au moins pour déjeuner. Oh, hein? Non, impossible. Bah, comment, cet après-midi, alors? Non plus, j'ai affaire. Mais quelles affaires? Des visites à des clients. À des clients? Oui, je fais de la représentation de haute couture. Ah, bon. Mais alors, quand est-ce qu'on se revoit, alors? Jamais. Non, je te taquine. Si tu veux, on peut se revoir comme hier, à 7 h, à l'auberge Saint-Maclou. Entendu. Auberge Saint-Maclou, 7 h. Allez, laisse-moi m'habiller. Et on partage comment? D'abord, il y a 50% pour moi. Et les faux papiers, les alibis, ça coûte cher. Bien sûr. Mais 50%, eh bien, vous vous embêtez pas, vous. C'est à prendre ou à laisser, mon pote. D'ailleurs, les gars qui travaillent avec moi n'ont pas à se plaindre. Demande à Polo. Ah, ça, non. Tu vois? C'est là que je marche. Attendez-moi en bas, j'ai du boulot. Là. D'accord. Ok, prépare-moi la 11 et l'artillerie tout de suite. Et préviens Max et Polo. Allez, grouillez-vous les gars. Je peux pas la tirer dans les pommes. Attrape ton paquet. Allez, allez, remettez-vous, hein. Ça paraît désagréable, hein. Le bandit, c'est la pomme. Je me plaindrai à mon ambassade, savez-vous. Excuse-moi, tu devais commencer à trouver le temps long. Bah, j'ai erré comme une âme en peine pour attendre 7 h. Mon pauvre chou. Eh bien, pour te dédommager, nous allons passer une excellente soirée. Bah oui, mais mon chéri, je suis désolé. Il faudra que je te quitte après dîner. Pourquoi? J'ai pris un nouveau rendez-vous avec Rameau. Tu aurais pu le voir cet après-midi. Ah, c'est pas possible, il n'était pas libre. Non, je veux me débarrasser de cette affaire pour avoir l'esprit tranquille, tu comprends? Oui. T'en auras pour longtemps? Non, une demi-heure, une heure au plus, quoi. Bon. Mais écoute, si tu veux, j'irai voir une amie, puis on se retrouvera à l'hôtel. Ça te va? Bah, si ça me va. Qu'est-ce que tu bois, mon cher? Un martini. Alors? Non. Non. Dans de telles conditions, il m'est impossible de vous donner satisfaction. Non. Et si je vous offrais une reconnaissance d'hypothèque sur l'appartement et tous les biens que je possède à Paris? Non. Oui? Monsieur, j'ai fini ma vaisselle. Est-ce que vous avez encore besoin de moi? Non, non. Alors, je m'en vais? Très bien, demain matin. Au revoir, monsieur. Bonsoir. Non, mon cher monsieur. Ce que vous me proposez ne constitue pas une garantie suffisante. Je pensais qu'en raison de l'amicale recommandation de Leblanc, vous accepteriez de me venir en aide. J'ai beaucoup d'estime pour Leblanc, mais je ne mélange jamais le sentiment et les affaires. Écoutez, actuellement, je traverse une mauvaise passe. Je fais appel à votre bon cœur. Prêtez-moi ces 1 500 000 francs, vous ferez une bonne action. Non, je ne suis pas sur la terre pour faire la charité, mon cher monsieur. Il ne s'agit pas de charité. Vous serez remboursé intégralement et avec des intérêts que vous voudrez. Combien, en fait? 20%. Pour 3 mois? Eh ben... C'est comme ça. Mais vous êtes un usurier. Comment? Je suis ce que je suis. Je ne prête pas un sou sans une garantie. D'ailleurs, si j'avais su que vous n'en aviez aucune à m'offrir, je ne vous aurais certainement pas reçu ce soir. J'ai l'autre chat à fouetter. Ah oui, à fouetter. Hein. Vous êtes pressé. Pressé? D'aller courir les boîtes de nuit. Mais je fais ce qu'il me plaît. Ce qui vous plaît, c'est de dépenser votre argent avec des filles. Monsieur, je ne vous permets pas. Eh, pareil que vous êtes large et généreux avec ces demoiselles du perroquet blanc. Hein? Leur demandez pas de garantie à elles. Écoutez, vous commencez à m'échauffer les oreilles, hein? Des individus de votre sorte, ça ne mérite pas de vivre. En voilà assez. Sortez! C'est ça, oui, flanquez-moi la porte, hein. Je vais vous sortir. Ouais, mais nous serions deux, hein. Allez-vous-en, ça vaudra mieux. Non, écoutez-moi. Non! Partez, c'est mon dernier mot. Je vous en dirai un, moi, de dernier mot, espèce de...
Sale individu, hein. Modérez vos paroles. Et encore, je suis au-dessous de la vérité, c'est gangster que je devrais dire. Alors vous dépassez les limites. Je vais vous corriger. Est-ce que tu veux... Hein? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Tu es réveillé enfin. Ah, est-ce que je peux avoir soif? T'as la gueule de bois, oui. Ça t'apprendra à faire la noce. Que la noce, moi? Alors tu te souviens plus de rien, hein? Ni à quelle heure tu es rentré, ni dans quel état. Oh, faut rien exagérer, quoi. Tout débraillé. Oui, ça... j'avoue que j'étais un peu parti, hein. Tu m'avais pourtant promis de pas rentrer tard. Bah oui, mais ça n'a pas marché tout seul, tu sais. Il a fallu discuter, discuter. Oh, on s'est même disputé. Et battu. En tout cas, j'ai trouvé les arguments qu'il fallait pour convaincre un coriace de son espèce. Alors, tu as réussi? Pleinement. Ça me fait plaisir. Merci. Alors, tu comprends, moi, après, j'étais content, alors je suis allé boire un verre un avec... Un verre, une cul de carabinée, oui. Ah, je te demande pardon, hein. Dis donc, puisque j'ai récupéré l'argent, hein, ben on va aller fêter ça dignement, comme il se doit. Excellente idée. Allez, je m'habille. Moi aussi. T'as pas su y faire, quoi? Et les 1500 000 balles nous passent devant le nez. Pas su y faire? Mais qu'est-ce que tu crois? J'avais qu'à les ramasser, m'en aller. Et pourquoi, alors? Oh, si on pensait pas pour toi, bien souvent. Non, ça va. Dis que t'as pas voulu essayer, c'est tout. Mais j'aurais pas plutôt le dos tourné qu'il alertait la police. Et qui était bonne dans le coup? C'est peut-être ça que tu voulais. Charrie pas, va. T'as pas voulu essayer, un point, c'est tout. Eh ben, c'est ça, disons-le. Et puis après? Mort par strangulation. Pour le moment, on ne touche à rien ici, hein? Marvel va venir. Il a dû surprendre le gars en plein travail. Oui, il a tiré dessus. C'est un 7,65 et une seule douille a été éjectée. La balle s'est logée là, voyez, patron. Oui. Il a dû rater le casseur, mais le casseur l'a pas raté, lui. Entrez. Monsieur le commissaire, il y a là une dame qui demande à parler à monsieur Rameau. Ah ah. Allons voir ça, la fin. Vous demandez monsieur Rameau? Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Commissaire principal Sanoir. Vous connaissez monsieur Rameau? Oui, j'ai rendez-vous avec lui. À quel sujet? C'est personnel. Dites toujours, ça reste entre nous. Ben... Oui, j'ai compris. Mais non, c'est pas ce que vous croyez. Ah bon? Voulez-vous noter? Votre nom? Puis-je au moins savoir ce qui se passe? C'est moi qui pose des questions ici. Votre nom? Loulou. Enfin, le vrai, c'est Charlotte Bousquet. Profession? Danseuse. Où ça? Au Perroquet Blanc. Mon âge aussi? Non. Pourquoi? Je n'ai rien à cacher. Je vois ça. Et domicile? Chez ma mère, 75 rue Durnard. Alors vous aviez rendez-vous avec monsieur Rameau? Bien sûr. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Voyons. L'autre nuit, au Perroquet Blanc. Ah, il était au Perroquet Blanc? C'est un habitué. Il était seul? Non, avec des amis. Que vous connaissez? Oui, là, c'est l'ami d'une amie. Son nom? Ah, mais j'en sais rien. Et le nom de l'autre? Non plus, je crois que c'était un parisien de passage. Vous en êtes certaine? Non, mais Gabi vous le dira peut-être mieux que moi. Qui est-ce, Gabi? Une copine du Perroquet Blanc. Alors, c'est tout ce que vous savez? Si vous voulez que je sache. C'est bien, je vous remercie, vous pouvez disposer. Ah, mais je pourrais pas voir monsieur Rameau? Non. Pourquoi? Il a eu un accident. Grave. Mais il n'y aura pas moyen de lui dire un petit mot? Certainement pas. Ah, oh, celui-là, quel radin! Alors, docteur, rien d'autre? Ben non. L'autopsie me permettra de fixer l'heure approximative du crime. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Bon, je vais faire transporter le corps à la morgue où il sera à votre disposition. Très bien. Au plaisir, commissaire. Au revoir, docteur. Tenez la fin. Nous avons beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Entrez.
Ah, mon cher directeur, je vous attendais. Bonjour, Salomon. Le fin. Voyez donc les voisins s'ils ont entendu quelque chose ou vu quelqu'un. Bien, patron. Ni pas trop de monde ici, j'espère. Non, non, le docteur Nollet, le fin et moi, c'est tout. Et nous avons fait très attention, nous avons mis nos pieds et nos mains. Eh bien, les enfants, allons-y. Mettons-nous au travail. Et voilà le revolver que j'ai trouvé près du corps. Vraiment, vous le prendrez. Bien, patron. Le corps n'a pas été changé de place? Non, non, personne n'y a touché. Le coffre a été ouvert avec la clé que l'assassin a dû trouver dans une des poches de la victime. Pas d'empreinte digitale? Non, je ne vois rien. Bon, le voleur opérait sans doute avec d'élégance, c'est classique. Ouais. De toute façon, nous ferons les relevés habituels. Henri, voyez cette balle dans le mur? Oui, patron. Raymond, là. Oui, patron. Cette tache. On dirait que le tapis a été lavé et essuyé. C'est exact, patron. Bon, c'est peut-être du sang, vous voyez ça. Eh bien, patron, pourtant, Rameau n'a pas saigné. Henri, ici. Les empreintes de pas sur le lino. Il y en a une très nette laissée par une semelle de crêpe. Petite pointure. Vous noterez le dessin, hein? Oui, patron. Elle a même déposé une boue assez épaisse. Vous me raclerez tout ce que vous pourrez. Oui, patron. Tiens, 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 tiens. Raymond, sur le pied du fauteuil, là, c'est quelques gouttelettes. Vous avez raison, patron. C'est du sang coagulé. Eh bien, vous me ramasserez ça aussi. Et vous ferez des photos, hein? Qu'est-ce que c'est? Un bouton. Un bouton de manche de veston. De veston bleu. Il ne doit pas être à Rameau, il a un complet gris. Il possède peut-être un costume bleu dans sa garde-robe. Ah, c'est possible, après tout, il est peut-être à lui, il faut s'en inquiéter. Et la femme de ménage est là, elle sait peut-être quelque chose. Appelez-la. Venez, madame. Vous permettez? Je vous en prie. Merci. Est-ce que ce bouton appartient à votre patron? Non. Vous en êtes certaine? Absolument. Je l'aurais vu s'il manquait un bouton. D'abord, il portait jamais de veston bleu. Je vous remercie, vous pouvez disposer. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Oui, quoi? Eh bien, ce bouton, c'est sûrement à cet assassin de malheur. C'est à nous qu'il appartient de tirer des conclusions, et pas à vous. Ah, dommage. Et ne vous éloignez pas, au cas où j'aurai encore besoin de vous. Quoi faire? Pour tirer des conclusions? Non, non, interdit d'entrer ici. Oh, pour moi, je suis de Paris-Normandie. Moi et tout? C'est pas une raison. Ah, bien sûr. Mais est-ce que mon ami l'inspecteur Lefin est là? Ah, tiens, Lefin, ah! Oh, t'es là, toi, naturellement. Bah, tu y es bien, toi. Dis donc, tu voudrais pas dire à Sanoir pour le... Hein? Eh bien, je ne vois rien d'autre. Nous pouvons rentrer au laboratoire. Je vous appellerai pour vous communiquer les résultats de nos analyses. J'attendrai votre coup de fil avec impatience. Ça, je vous promets pas de vous livrer le nom de l'assassin. Hein? Oh, ça m'étonne de vous. C'est trop gentil. Allez, au revoir, Sanoir. Au revoir, mon cher directeur. Dites-moi, oui? Est-ce que je préfère enlever le corps et examiner les papiers? Oui, bien sûr. Au revoir, messieurs. Patron, il y a Gordy qui demande si son photographe peut faire quelques clichés. Bien sûr, tout ce qu'il voudra. Mais pas le corps, hein? C'est bien entendu, Gordy. Ah oui, monsieur le commissaire. Vas-y, Olive. Pardon, monsieur le commissaire. Vous avez tous les renseignements? Oui, 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 je vous remercie. J'ai interviewé les voisins, puis une môme qui sortait d'ici. Alors, vous en savez autant que nous. Ah, ça, exactement autant, oui. C'est-à-dire zéro, hein? Non, mais je vais aller fouiner du côté de chez Marval. À votre aise. Ça y est, bon. Tu sais, il a eu tort, ce noir. Pourquoi? De ne pas m'avoir laissé prendre les photos du gars. Ça aurait pu faire plaisir à la veuve. Allons, sois sérieux. D'ailleurs, il était vieux garçon. C'est bon. Apprends que je ne plaisante jamais dans le boulot. Bon, eh ben, file au canard faire les contacts en vitesse, hein? Allez. Ah, dites-moi, Gordy, les photos, vous dépasserez à vos confrères, hein? Oh, ben, comptez sur moi, monsieur le commissaire, voyons. Au revoir. Merci. Et bonne chance. Merci. Ah, il est marrant, ton patron, que je passe des photos aux confrères. Ben, qu'ils fassent comme moi, les confrères, qu'ils se démerdent.
Ça paraît un peu extraordinaire que vous soupçonniez précisément votre représentant de Paris. Non, puisqu'il m'a déclaré avant-hier qu'il ne lui restait plus qu'à cambrioler une rentière. Une boutade, sans doute. Je l'espère pour lui. Et ce monsieur Lombard est venu vous régler sa dette ce matin? 1 500 000. Alors qu'il n'avait pas un sou il y a 48 heures. 1 500 000 francs en billets? Oui, monsieur le commissaire. En liasse de coupure de 10 000. Puis-je me retirer maintenant? Mais certainement. Je vous passerai un coup de fil si j'ai besoin de vous. Tout à votre service, monsieur le commissaire. Au revoir. Allô, Lefin? Ton Lombard, tu le trouveras à l'hôtel de la Poste. Y a pas de quoi. Dans les parcelles de boue recueillies sur le lino se trouve un pourcentage élevé de graisse d'auto. Et enfin, le sang qui a giclé sur l'un des pieds du fauteuil n'est pas du même groupe que celui de Rameau. Donc un des casseurs a bien été blessé par Rameau. C'est évident. Il est allé ou va aller se faire panser quelque part. On le trouvera probablement et son arrestation ne sera plus qu'une question d'heure. Ça, c'est votre affaire, mon cher commissaire. Tu m'accompagnes sur le quai? Non, je peux pas, j'ai rendez-vous. Très important, ce rendez-vous? Très. Avec un homme, hein? Mais non, il n'a jamais une femme. Allez, au revoir. À bientôt. À bientôt, je t'écrirai. Hein? Dis donc, au fait, je connais même pas ton adresse. Eh bien, écoute, écris-moi à poste restant de bureau central, où tu comprends si mon mari rentre à l'improviste. Entendu. Allez, au revoir. Au revoir. Alors, le Lombard est là, patron. Je l'ai piqué sur le quai de la gare au moment où il partait pour Paris. Bon, ça va. Il a passé les deux nuits de mercredi et de jeudi à l'hôtel de la Poste avec une femme qui n'a pas rempli de fiche de passage. Parbleu. Dans les palaces, ils ont toujours peur de mécontenter leurs clients. Ensuite? Le barbier est allé au Perroquet Blanc. Le Lombard y était en compagnie de Rameau dans la nuit de jeudi à vendredi. Bon, amenez-le-moi. D'accord. Jean-Nadine. Bonjour, mon chou. Alors dis-moi comment ça s'est passé. T'as dû avoir rudement peur. Tu parles, j'en tremble encore. Et qu'est-ce que t'as raconté aux gendarmes? Y'a rien, je leur ai dit que j'avais rien vu, qu'ils m'ont fait tourner le dos et que je me suis évanouie. Bah tant mieux. Dis donc, en fait, je reprends demain. Ah, bon. Ça t'a plu? Oh, tu parles, c'est pas cassant et bien payé. Alors tu me remplaces ça chaque fois que je te le demanderai. Oh, si tu veux. D'accord. Dis donc, Chang est là? Oui. Je vais aller voir sa figure de singe. Entrez. Maître, Madame Desroches est là. Qu'elle entre. Bonjour Viviane. Bonjour Chang. Tu as fait bon voyage? Oui, très bon. Ta mère va mieux? Oui, très bien, merci. Tu reprends le boulot demain? Oui, bien sûr. Quelque chose? Si tu veux. Whisky? Un bon conseil, Viviane. Laisse tomber toutes ces histoires. Quelles histoires? Ces voyages, ces rencontres. C'est pas un peu sonné? Tu sais très bien ce que je veux dire. La foi, non? Laisse les hommes travailler. Les femmes sont faites pour l'amour. Ah, t'es pas mon type. Moi, ce qu'il me faut, c'est de l'argent. Je te le répète, ici avec moi, tu en auras tant que tu voudras. Et sans risque. Merci, j'y penserai. Pense-y, mais avant qu'il soit trop tard. Des menaces? Un avertissement. J'ai l'impression que tout ça finira mal pour toi, Vivi. T'as lu ça dans le marc de café? Je ne suis pas fakir. C'est vrai, t'es plutôt... Chinois. Quel mal y a-t-il à cela? Puisque je t'aime et que je ne te veux que du bien. À condition que tu ne me fasses pas trop souffrir.
Oui, oui, j'entends bien. Vous me dites que vous avez obtenu de Rameau le prêt de 1 500 000 francs qui vous a permis de vous libérer de la maison Boyer. Mais je le dis et je le répète, parce que c'est la vérité. D'ailleurs, je lui ai signé une reconnaissance de dette. Oui, que le juge trouvera probablement dans les papiers que j'ai placés sous scellés. C'est très astucieux, mais le reste. Le reste de quoi? De l'argent volé. Quel argent? Un rapide examen des livres nous a montré que dans le coffre dévalisé, il y avait environ une trentaine de millions en or, devises étrangères et coupures de la Banque de France. Alors? C'est invraisemblable, mais je ne comprends pas un mot de ce que vous voulez dire. Alors vous niez? Mais de toutes mes forces. C'est bien, j'enregistre vos dénégations. Voyons, autre chose. J'ai ici la déposition de la bonne de Rameau. Elle vous a ouvert vers 21h. Ouais, c'est exact. Au moment de partir, elle a entendu des éclats de voix. Vous étiez en colère, vous avez injurié son patron. Oui, c'est vrai, nous avons eu une discussion. Vous êtes battu. Oh non, c'est un peu houspillé, quoi. C'était le commencement de la bagarre qui a finalement mal tourné pour Rameau. Mais pas du tout! Bagarre au cours de laquelle vous avez perdu ceci. Ce bouton vous appartient bien. Oui, je ne le nie pas. Alors, vous feriez mieux d'avouer. Non, je vous jure, monsieur le commissaire. Non, je vais vous dire exactement comment ça s'est passé. Je vous écoute. Oui, on a eu une discussion, mais enfin, on s'est calmé. On s'est calmé quand Rameau a accepté de me donner cet argent à la condition que l'ami qui nous avait présenté donne son aval. Quel ami? Paul Leblon. C'est un camarade de lycée avec lequel je suis très lié. Je lui ai téléphoné, il arrivait juste du Havre, où il venait de réussir une grosse affaire. Quel genre d'affaire? Il est agent d'assurance. 10 minutes après, il était là, trop heureux de me rendre service. J'ai signé la reconnaissance, il a donné son aval, et Rameau m'a donné l'argent. Ouais, admettons. Et ensuite? Ensuite, on est allé arroser ça avec Leblon. Là, j'avoue que j'étais un peu éméché. Et alors? Alors, je suis rentré... À l'hôtel de la Poste, où une femme vous attendait. Le nom de cette femme? Non, non, écoutez, ça, je peux pas vous le dire. Vous refusez? Mais comprenez-moi, monsieur le commissaire, c'est une femme mariée. Oui, et vous ne voulez pas la compromettre. Quoi, parfois, elle a rien à voir dans cette histoire. On finira bien, d'ailleurs, par savoir qui elle est. Et son témoignage pourrait vous être utile, sinon vous innocentez. Mais celui de Leblon suffira. Parfait. Je vais faire convoquer monsieur Leblon. Où habite-t-il? 115 rue Saint-Maur. Mais il n'est pas là, il a quitté Rouen pour le week-end. Tiens, comme ça se trouve. Et comment le savez-vous? Je lui ai téléphoné, il ne rentrera que lundi matin. C'est regrettable. Mais de toute façon, je suis obligé de vous garder. Quoi, vous m'arrêtez? Non, de vous garder à ma disposition. Mais pour combien de temps? 24 heures. Conformément à la loi. Après, ce sera le juge d'instruction qui décidera. Voilà, madame. Merci, madame. Vous avez votre carte? J'ai pas de carte. Ah oui, mais vous ne deviez pas venir aujourd'hui samedi. Lundi seulement. Oui, oui, je sais, mais ça me fait mal. Bon. Je ne l'ai toujours pas sur ma liste. Aucune importance, le docteur le connaît déjà. Bon, bon, ça va, c'est ça, oui. Merci, Mado. Dis donc, Barbier, tu vas sauter à la clinique Ménard. Qu'est-ce qu'il a encore fait, ce bon docteur Marron? J'attendrai la sortie d'un homme. Facile à repérer, le bras gauche en écharpe. D'ailleurs, Mado te fera signe et t'en remettra une enveloppe. Un échantillon du sang du gant en question. Ok, alors faut que je le filoche? C'est ça. Avez-vous terminé, docteur? Est-ce que je peux débarrasser? Oui, oui, allez-y. Bon, eh ben ça va beaucoup mieux, mon ami. Oh, bah, tant mieux, docteur. Mado de la clinique Ménard vient de me signaler un gars blessé au bras, qui pourrait bien être celui que nous cherchons. Il faut me le prendre en filature. J'ai renvoyé Barbier. Parfait. Et pour le sang? J'ai dit à Mado de faire le nécessaire. Très bien. Et pour Leblon, l'ami de Rameau, vous avez fait vérifier? Oui, grosse clientèle, excellent renseignement, et il est bien parti jusqu'à lundi matin. Vous lui avez laissé une convocation? Oui, patron. Alors, c'est parfait. T'as mis les valises en sûreté? T'inquiète pas, elles sont en consigne.
Quand je pense que le chef va s'approprier la moitié de tout ça, comme toujours, ça me fait mal. Et il nous restera un joli magot quand même, non? En toi, t'es toujours content. Un vrai fonctionnaire. Non, je t'en prie, hein. Mais que les risques que nous courons. Partager 50-50 à chaque coup, j'en suis malade. C'est le chef qui organise les affaires. Mais qui les amène, ces affaires? Te fâche pas, mais il n'y a pas moyen de faire autrement avec le chef, là. Si! Laisse-le tomber. Et fais voir que t'es un homme. Je peux pas. Pourquoi? Parce que je tiens à ma liberté, moi. Je sais ce qui est arrivé à celui qui était ici avant moi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il les a gardés, lui, les Valtouzes. Le chef l'a donné au poulet, résultat, 6 ans de placard. Et bien, très peu pour moi. Je tiens pas à jouer les durs avec lui, moi. Ouais. D'ailleurs, tu pourrais sûrement pas. T'es qu'un sous-fifre. Oh, ça va, hein? Puis t'es bien nerveuse aujourd'hui. Mais il y a des trucs que je peux pas digérer. Prends une fine, ça passera mieux. Tu nous vois couvrir les banques pour liquider l'or et les bifetons? On n'irait pas loin, tu sais. Ah non, il n'y a que le chef qui peut faire ça. Oui, t'as peut-être raison. Tiens, il m'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Fais voir. Ah, tu comprends rien, c'est du chinois. Chinois. T'es content, hein? Tu les as reçus, tes ordres. Rond de cuir. Ah, oh, c'est quelqu'un, ce chef invisible. Il envoie ses ordres par ce machin-là. Il empoche sans se mouiller 50% du fric que nous ramassons. Je voudrais bien le connaître, moi, ce gros profiteur. Tu le connaîtras jamais. Peut-être que si. En demandant à un électricien de suivre les fils de cet appareil. Il se casserait le nez, ton électricien. Il n'y a pas de fil, c'est un radio-télétype. Oui, enfin, un poste à onde courte. Elle est encore plus fortiche que je pensais. Tu me dégoûtes, je m'en vais. Tiens, dis donc, tu veux pas me poster ça en partant? J'ai pas eu le temps d'y aller. Boîte postale 77. C'est pour qui, ça? Pour le chef? Cherche pas à comprendre, elle met là la boîte, c'est tout. Je te vois ce soir? Non, mais demain, sûrement. Ah, si je t'avais pas à la bonne. Alors? Le sang recueilli chez Rameau et le sang envoyé par la clinique sont du même groupe. Parfait, vous me ferez une petite note à ce sujet. Bien, monsieur le directeur. Et cette analyse? Encore quelques minutes, monsieur le directeur. Bien. Les voitures sont prêtes, patron. Parfait. Nous nous présenterons à l'entrée principale du garage Gamet. Je crois que ce sera du gâteau. D'après ce que m'a dit Barbier, on ne trouvera là-bas que le gars blessé, le patron du garage, un nommé Louis Gamet. Ah. Au fait, un tuyau, patron. Le Gamet a travaillé comme courtier chez Leblon, l'ami de Lombard, il y a 3 ou 4 ans. Mais il lui a fait des entourloupettes et il l'a balancé. Tiens, tiens. Bon, il n'a jamais porté plainte contre lui et il fait toujours réparer sa voiture au garage Gamet. Eh ben, mais voilà qui promet. Alors, allons-y. Commissaire Sanoir, attendez-moi dans votre bureau. On va d'abord s'occuper de celui-là. Accompagnez-le. Alors, ce bras. Ça va mieux, monsieur. Commissaire, qu'est-ce que tu as eu? Un accident. Ah oui? Quel accident? Un retour de manivelle. Tiens, il y a longtemps? La semaine dernière. Mmh. Tu loges ici? Oui, là-bas, au fond. Bon, alors conduis-nous. Eh ben, c'est petit chez toi. Ce sera pas long. Le fin, voyez ça.
toi. Donne-moi la clé. Je sais pas. Donne-moi la clé. Eh ben, dis donc. Mon Dieu. C'est un véritable arsenal. Jolie collection. Lefin, vous me mettrez tout ça sous scellé. D'accord, patron. Alors, à quoi ça te sert, cette artillerie? Moi? À rien. Je l'ai toujours vu là depuis la Libération. Ben voyons. Dis-donc, samedi matin, t'as pas été faire un petit tour du côté d'Elbeuf? Non, je suis gardien du garage, vous savez, moi, je sors presque jamais. Patron, un tas de vieilles godasses. Voyez donc s'il y en a qui ont des semelles de crêpes et ramassez-les. Elles sont pleines de graisse. Alors, si c'est pas Elbeuf, où as-tu été blessé? Mais ici, monsieur le commissaire. Menteur. Lefin, enlevez-lui son pansement et n'ayez pas peur de le faire chanter. Non, monsieur le commissaire. Alors parle, on te tiendra compte de tes aveux. Mais laissez-moi quand je vous dis que je suis blessé. Oui, d'une balle. Où l'as-tu attrapé? Je vous dis que c'est par un retour de manivelle. Mais il ment comme il respire, ce coco-là. On va voir ce qu'en pense Gamet. Allez, viens avec nous. Allez, debout. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins. Ton employé a été blessé au bras gauche par une balle de revolver. J'ai perquisitionné dans sa chambre et j'y ai découvert un véritable arsenal. De plus, j'ai trouvé au garage des tractions drôlement maquillées. Peux-tu me donner quelques explications? D'abord au sujet de ton employé blessé. Ben, vous me voyez extrêmement surpris d'après ce que m'a dit Riquet, sa blessure provient d'un retour de manivelle. Alors j'ai fait la déclaration obligatoire. Au docteur Ménard, je suis au courant. Oui. Quant aux tractions, elles proviennent d'un marchand du Havre. Un lot qu'il a acheté. Il en prend livraison au fur et à mesure de ses besoins. J'ai là toute sa correspondance. Je la verrai, sois tranquille. Je suis honorablement connu à Rouen. Je fais que des affaires régulières, moi. Bien sûr. Mais ton gardien, lui, est affilié à une bande de gangsters. Il est probable qu'il a été blessé au cours d'une affaire pas très régulière pour vous. Mais vous vous trompez d'adresse, c'est sûr. Ce sont des tractions qui ont servi à Elbeuf et sur la route de Pont-Audemer. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, tout ça, c'est de l'hébreu pour moi. Je comprends rien. Eh ben, moi, je commence à y voir clair. Je vais perquisitionner ici. Ouvre-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah, rien que des paperasses, c'est tout. Oui, rien. Marié, Gamet? Non, pourquoi? Alors, et ça? C'était une amie. Qui s'appelle? Poupée. C'est sa photo? J'ai pas besoin de ça, j'ai l'original. Ça, c'est Greta Garbo. Oh, comme elle a changé. Et où est-elle, ta poupée? Sur la Côte d'Azur. Il y a longtemps? Un mois. Bon. Lefin, voyez ça. Et elle fume, cette poupée? Eh ben oui, pourquoi pas. Tiens. Il y en a un qui est encore humide. Depuis un mois? Tu connais Leblond? Oui, c'est un client comme les autres. Vous verrez sa fiche dans le classeur. Bonjour, Saint-Noir. Ah, bonjour, mon cher directeur. Je suis venu à tout hasard, pensant que vous auriez peut-être besoin de moi. Eh bien, vous avez eu du flair, comme toujours. Mais alors, perquisition fructueuse? Je l'espère. Viens ici, toi. Permettez-moi de vous présenter le patron de ce garage, Monsieur Louis Gamet, dont l'honorabilité, naturellement, est à l'abri de tout soupçon. N'est-ce pas, Gamet? Je pourrais vous dire deux mots, Saint-Noir. Un instant, je vous prie. Emmenez-les un instant dans le couloir. Je vous écoute. Nous venons d'analyser le sang du blessé de la clinique Ménard. Il est du même groupe que celui dont nous avons trouvé quelques gouttes sur le fauteuil de Rameau. Oh, mais c'est formidable, ça. Bon, eh bien, Henri, nous allons commencer notre petit travail. Qu'est-ce que c'est? Du papier calciné. Ça n'a peut-être aucune importance, mais enfin, nous verrons. Voyez ça, Henri. Bien, patron. Tiens. Voilà qui est curieux. Un télétype. Oui, en effet, c'est curieux. Et ce n'est pas un appareil ordinaire. C'est un radiotélétype équipé pour émettre et recevoir des messages sur ondes courtes. Ah, je vais voir ça avec Gamet.
Bon, eh bien, je ne vois rien d'autre. Vous avez terminé, Henri? Oui, patron. Je rentre au laboratoire, je vous tiendrai au courant. Au revoir, mon cher directeur. À bientôt. Au revoir, Sanois. Au revoir. Envoyez-moi Gamet. Ça te sert à quoi, ça? À recevoir les cours financiers? Alors, tu fais des émissions de radio. À qui? Et t'en reçois? De qui? Pendant la guerre, le garage était occupé par les frites. C'est peut-être eux qui l'ont installé. Oui, allez, ça va. Ramenez-moi Riquet. Riquet. Allez, avance. T'as été blessé au cours du cambriolage commis chez Rameau. C'est toi qui l'as tué, nous le savons. C'est pas vrai, je suis pas un assassin. Oui, pas un assassin peut-être, mais un cambrioleur. Petite pointure. Où est l'argent? J'en sais rien. Ça t'a rapporté combien? C'est l'autre qui a tout gardé? Et l'autre, qui est-ce? Eh ben, dis-le, puisque c'est pas toi qui as tué. Qui, Gamet? Allez, ramenez-le. Envoyez-moi Gamet. Gamet, je viens d'interroger Riquet. Il a reconnu avoir été blessé au cours d'un cambriolage. Oh, ben ça alors? Du cambriolage commis chez Rameau. Il nous a affirmé que c'est toi qui l'as tué. C'est peut-être lui l'assassin, il veut me mettre dans le coup, oui? Allez, te fatigue pas, il nous fait pas perdre notre temps. Où as-tu planqué le produit du vol? Ah, vous avez tout fouillé, alors? Alors tu nies? Morditus! Et d'ailleurs, j'ai un alibi. Bon, bon, on va te confronter avec Riquet. Amenez-le. Alors? Mais lui, il a compris, on n'a pas eu besoin de lui faire la chansonnette. Il s'est mis à table. Tu m'as balancé au poulet, espèce de menteur! Allez, gamin, lâche-moi! Allez, embarquez-moi tout ça, allez, hop! T'as pas lâche-moi, gamin! Lâche-moi! Il est comme... Bon, bon, c'est daté. On va vérifier tout ça. Entrez. Ah, monsieur Lombard. J'ai pas besoin de vous demander si vous connaissez ces deux lascars. Non, je les ai jamais vus, monsieur le commissaire. Là, ce sont les cambrioleurs assassins de Rameau. Ah, bon. Dis donc, alors vous me relâchez? Mais vous êtes libre. Ça fait plaisir à entendre. Mais vous revenez voir lundi. Hein. Ah, lundi, vous... Ah oui, lundi. Et n'oubliez pas avec votre ami, monsieur Leblon. C'est indispensable pour clore la procédure en ce qui vous concerne. Entendu. Alors à lundi. Au revoir, monsieur Lombard, à lundi. Bonjour, chère madame, ravi de vous voir. Bonjour, monsieur Simon. Vous désirez vous asseoir dans le fond, j'ai une très bonne table. Écoutez, non, là, ce sera très bien. Parfait, je vous en prie. Là, vous me la gardez, hein, je vais d'abord me refaire une beauté. Ouais, une chose bien inutile, jolie madame. Boîte postale 77. C'est pour qui, ça? Pour le chef? Cherche pas à comprendre, mais là, la boîte, c'est tout. Monsieur Simon, voulez-vous me faire appeler un taxi, s'il vous plaît? Vous ne restez pas pour le dîner? Si, si, mais j'ai oublié une course urgente à faire à la gare. J'y vais, je reviens, je passe chez moi et je... Voulez-vous que j'envoie quelqu'un? Non, merci, je préfère y aller moi-même. En ce cas. Ça, par exemple, quelle surprise! Agréable? Oui, naturellement. Tu... Non, je vais te... Enfin, je vous expliquerai. Vous avez dîné?
Non, non, justement, j'allais. Eh bien, nous dînons ensemble, alors. Excellente idée. Où se mettons? Eh bien, écoute, là, je vais retenir une table. Bonjour, monsieur Lombard. Bonjour, monsieur Simon. Pour le taxi, qu'est-ce que je fais? Oh, non, non, merci, je viendrai plus tard. Pourquoi es-tu revenu? Mais je ne suis pas parti. Hein? Non, j'ai été arrêté. Arrêté? La police me soupçonnait d'avoir assassiné Rameau pour le voler. Toi? Oui. Les assassins viennent d'être coffrés, alors on m'a relâché. Mais je suis convoqué lundi chez le commissaire, avec Leblond. Hein? Qu'est-ce que Paul a à voir là-dedans? Ben, son témoignage, je dois me mettre hors de cause, définitivement. Oh. Enfin, explique-moi. Oh, non, c'est facile. Mais je te raconterai tout ça. Va. Bon, ben c'est ça, on n'en parle plus. Où m'emmènes-tu? Veux-tu que je t'emmène à Saint-Adrien? Hein? C'est charmant, Saint-Adrien, et puis ça nous changera les idées. J'en ai besoin. Nous sommes d'accord? D'accord. Maître d'hôtel, la carte. Voilà, monsieur. Vous désirez manger très bien, mais très vite. Nous allons à Saint-Adrien. Ah, excellente idée. N'est-ce pas, cher ami, vous faites le menu, je vais donner un coup de fil. Oui, il faut que je prévienne à chez moi. La servante à carrière. Je vous souhaite une excellente soirée, chère madame. Vous ne reviendrez à Rouen que demain, sans doute. Parfois, je ne sais pas. Venez donc déjeuner. Il y aura un excellent rable de lièvre à la crème et cannelle maison. Je cuisinerai moi-même. Faites-moi le grand honneur de venir, vous ne regretterez pas. Ma foi, j'en suis certaine. Mais écoutez, je ne dis pas non. À demain. Pour votre course, vous ne voulez pas que je m'en occupe moi-même? Non, je m'en occuperai lundi, merci. Edmond, voyez pour la commande. Salut, mon petit pote. Alors, toujours fidèle au poste, toi, même le dimanche. Oui? Bah, t'es pas à la pêche? Ah non, je suis à la chasse, moi. À la chasse du fin tuyau. T'en as pas un? Ah, j'en ai plusieurs, mais je peux pas te les donner. Trop tôt, mon vieux. Ah, toi, avec ta manie de faire des conserves. Eh ben, si j'en faisais pas, je me ferais engueuler par le patron. Bon. Eh ben, tant pis. Alors, voyure, hein. Ah, dis donc, oublie pas de lire Paris-Normandie demain. Il y aura un article à la une comme ça, hein, avec des photos, mon vieux. Oui, j'ai un reportage sensationnel à faire ce soir. Sur quoi? Ah, ben, ça, je te le dirai pas, je me ferai engueuler par mon patron. Un clandé que vous ne soupçonnez même pas parce que vous n'êtes que des policiers à la noix. Dis toujours, reporter à la gomme. Ah, ben, non, ça, je te le dirai pas. Salut, mon vieux poulet. Eh oui. Et comme les déclarations de Leblond doivent prouver mon innocence, je pense que demain matin, tout sera fini. Je pourrai donc prendre mon train demain après-midi, hélas. Quand penses-tu revenir? Ah, aussitôt que je pourrai. Bien, allez, il faut partir. Déjà? Pourquoi? Mais on n'est pas bien ici. Si, tout à fait d'accord. Seulement, tu sais très bien que tout le dimanche soir, je dîne chez des parents... Et que tu joues au bridge jusqu'à minuit, une heure du matin. Bon, ben, pour une fois, tu aurais pu les laisser tomber. Je sais bien, hein, que c'est impossible. Allez, il faut partir. Écoute, mais alors, promets-moi une chose. Tu viens me retrouver aussitôt après ta fête de famille, hein? C'est promis. Notre dernière nuit. Allez, appelle le garçon. Garçon! Soyez très respectueusement saluée par Chang, adorable spectatrice, plus jolie que les plus jolis lotus de la grande rizière de Pékin, délicieux spectateur plus compréhensif que le plus vénérable sage de la ville aux grandes portes. Chang a le grand plaisir et le grand honneur de vous présenter une pantomime dramatique tirée du folklore de notre grande Chine. Chang vous supplie de pardonner à sa voisine indigne qui, de la coulisse, vous donnera quelques commentaires sur le spectacle. Soyez très respectueusement salué par Chang, votre dévoué serviteur. Dans une campagne ravagée par la sécheresse, des paysans réduits à la famine se lamentent et supplient les dieux de leur envoyer la bienfaisante pluie.
Un prêtre ordonne le sacrifice d'une jeune vierge. Tu parles d'une chinoiserie? Enlevée dans un village voisin, la victime est entraînée vers le temple par les soldats. Et les paysans qui les accompagnent ne peuvent pénétrer que masqués dans le sanctuaire. Garde-moi mon appareil 2 minutes. Bon, tu veux? Je vais goûter à une autre chinoiserie. Où l'hôtel a été préparé pour le sacrifice. Le grand sacrificateur s'approche et plonge son poignard dans le sein de la jeune vierge. L'orage se déchaîne, la pluie tombe au milieu de l'allégresse générale. Viviane est morte. Tenez, venez voir. Le bout de papier à demi calciné que j'ai ramassé dans le bureau de Gamet et que j'ai réussi à reconstituer, un message qu'il a reçu par le télétype. Il y a question d'envoyer des bulletins de consigne immédiatement. Le meilleur des trucs pour mettre le produit d'un vol momentanément à l'abri de nos recherches. Je vais m'occuper de ça tout de suite. Je pense que vous devez retrouver tout ça à Rouen, ce qui vous permettra de confondre Gamet. Certainement. Ce que je voudrais surtout qu'il me dise, Gamet, c'est le nom du chef. Le nom de celui qui commande par le télétype. Ben, voudra-t-il se mettre à table et comment l'y forcer? En dehors de la manière forte, nous sommes désarmés. Vous savez que je ne suis pas partisan de la manière forte. Je le sais. Mais il nous arrive parfois de frapper juste. Mais l'ennui, c'est que vous vous croyez dans l'obligation de frapper. Bien sûr, mais... Donc, faites-moi confiance, voulez-vous? Et je vous fournirai d'autres armes. Mais... Et dis donc, Lefin, est-ce qu'on sait maintenant de quoi est morte Viviane Desroches? Oui. Empoisonné. Sans blague. Par quoi? Par un poison, parbleu. Tiens. Mais inconnu, oui. Marval cherche. Ben, ça m'étonnerait qu'il trouve pas. Tiens, je vais l'interviewer. Ok, mon pote. Hé, je t'ai drôlement eu hier, hein, vieux poulet. Oh, crâne pas. Ton clandé, une boîte autorisée, il y avait un commissaire de service, alors c'était pas mon boulot. Dire que j'ai peut-être frôlé l'assassin. Oh. À propos, t'as pas amené ton complice? Allez, tais-toi. Figure-toi qu'hier, hein, il s'est laissé entraîner à aller fumer une pipe. Alors? Oh, il est complètement au cirage. Non, complètement. Sans blague. Oui. Sacré Olive. Heureusement qu'il m'avait confié son appareil. Ah oui? Alors j'ai pu faire des petites photos pour illustrer mon reportage. Tu as pris des photos du sacrifice? Ah oui. Tu les as apportées? Ah non, je les ai pas apportées, pourquoi? Est-ce qu'on sait? Je vais en parler au patron. Tu devrais les faire voir à Marval. Oui, d'accord. Ben, je vais les chercher au canard. Hein. Non, c'est une petite garce, quoi. Elle m'a posé un lapin cette nuit. Elle devait venir me rejoindre après une soirée passée dans sa famille. Je l'ai pas vue. Je sais même pas où elle habite. Mon pauvre vieux, tu as l'air beaucoup moins chipé de cette femme. Je te plains, tu sais. Ne te fous pas de moi, hein, je t'en prie. Allons à la police, va. Qui t'a envoyé ce message? J'ai pas reçu de message, je vois pas ce que vous voulez dire. Qui te réclame les bulletins de consigne? Le blond? Alors là, je comprends absolument plus rien. T'as mis les valises en consigne? Quand? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais je vous répète... Si tu nous obliges à te mettre tes poings sur les i, tu vas la sentir passer. J'ai envoyé des inspecteurs dans toutes les gares. Quand ils me ramèneront les millions volés chez Rameau, tu changeras de tactique. Mais j'ai pas à changer de tactique, je ne sais rien. Et je vous répète que je suis pas un gangster. La nuit en question, je l'ai passé à dépanner le docteur Dubourg, qui m'a téléphoné du Havre. Et je suis resté avec lui de 9h du soir à 5h du matin. Mais vérifiez! C'est noté. Le juge d'instruction entendra le docteur Dubourg. J'espère bien et le plus tôt possible. Entrez. Oui, je vais les recevoir. Tenez, prenez-le par là. Il a besoin qu'on lui assouplisse le caractère. Et n'oubliez pas qu'il me faut le nom du chef. Bien, patron, vous l'aurez. J'ai dit tout ce que je savais. Pas tout. Qu'on veut savoir, nous, c'est le nom du caïd, tu comprends? Le nom de celui qui commande. Il n'y a que Gamet qui commande. Non,
Il y a un patron. Celui qui donne des ordres à Gamet. Et tu le connais? Je vous jure que non, il y a Gamet pour donner des ordres. Ah, tu mens. Mais non, je mens pas. Leblon. Ce ne serait pas des fois Leblon? Leblon? Oui. Le client, le soi-disant client du garage. Oh, pensez-vous, monsieur Leblon vient une fois par mois pour faire son graissage, c'est tout? Après lecture, vous maintenez les termes de votre déposition. Oui, monsieur le commissaire. D'ailleurs, il corrobore entièrement les déclarations de mon ami Lombard. C'est parfait. Alors, signez ici. La cause est entendue, monsieur. Vous allez pouvoir regagner Paris en toute tranquillité, grâce au professeur Marval. Je vous remercie. Entrez. Patron. Un instant, je vous prie. Et voici les derniers renseignements sur l'affaire de cette nuit. Bien. Barbier a été chez Chang? Oh oui, le pauvre type, il n'est pas dans le coup, il est au lit. Au lit? Oui, avec la jaunisse. Un chinois? Et comment s'en est-on aperçu? Il est plus jaune, il est vert. Ah bon, je verrai ça tout à l'heure. Je vous remercie, Lefin. Vous connaissez cette femme? Viviane? Elle a été assassinée cette nuit. Et cette note m'informe qu'il y a lieu de rechercher un sieur Lombard de Paris qui a été vu en sa compagnie au restaurant Simon et à l'hôtel de la Poste. Vous connaissez son nom? Oui, monsieur le commissaire. Viviane Desroches. La femme honnête que vous ne vouliez pas compromettre. Oui? La poule d'un gangster et gangster elle-même. Oh, ça, alors j'étais à 100 lieues de... Je me vois obligé de vous demander quelle sorte de relation vous entreteniez avec elle. Voilà, monsieur le commissaire, je vais vous dire en quelles circonstances. Alors le gamin, il s'est mis à table? Non, c'est pas lui le caïd. Alors il a peur des représailles et il la boucle. Ah. Au fait, j'y pense, tu pourrais peut-être dire quelque chose dans ton canard. Dire quoi? Que Gamet, habilement cuisiné par le commissaire Sanoir, est entré dans la voie des aveux. Et qu'avant ce soir, il aura craché le nom du chef de la bande. Enfin, tu vois bien, à peu près. Oui, oui, je pige, oui. Mais en quelque sorte, il s'agit de foutre les faux au caïd pour qu'il commette l'imprudence qui lui serait fatale. Exactement. Mmh. Un beau sujet de papier que je te refile, là. Après ça, tu ne m'accuseras plus de faire des conserves. Hein. T'es un frère. En l'occurrence, t'es même un confrère. Bah, non, je ne suis jamais allé chez elle. Elle a toujours refusé de me donner son adresse. Et vous n'avez jamais soupçonné ses activités de femme gangster? Elle m'avait dit qu'elle faisait de la représentation de haute couture. Moi, je n'ai pas à chercher plus loin. Hein. Oui, bien sûr. Cette femme était la maîtresse de Gamet. Et il apparaît que c'était lorsqu'elle se trouvait avec vous au Perroquet Blanc qu'elle a recueilli les renseignements qui ont poussé ses complices à commettre l'assassinat de Rameau. C'est épouvantable, hein? Quelle leçon pour moi. Tâchez d'en profiter à l'avenir. Ah oui, monsieur le commissaire, et je vous remercie. Oh, il n'y a pas de quoi. Alors, bien entendu, je vous demanderai de ne pas quitter Rouen avant la fin de l'enquête. Ah bon? Oui, oh, bah, vous savez au point où j'en suis. J'étais venu à Rouen pour 3 heures. Mais qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qu'il a? Allez, debout! Debout! Ah, mais c'est lui, ça, on dirait qu'il est mort. Ça, par exemple. Gilbert, téléphonez au professeur Marval et demandez-lui s'il peut me recevoir tout de suite. Bien, docteur. Alors, t'as lu l'édition de midi? Ton article est très bien, mais t'as pas chéré, hein? 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 Révélation sensationnelle de Louis Gamet qui oriente les recherches de la police dans une direction nouvelle avec la certitude de la très prochaine arrestation du mystérieux chef de gang. Alors c'est pas au poil, ça? Au quart de poil. Ah, dis donc. Ah, les confrères sont furibères. Hein. Oh, ça a été un boom formidable. Et beaucoup plus formidable que tu ne penses. Non, c'est vrai, ça? Ah, si. Tiens. Le gars a marché. Oh. Et il a dû lire dans ton canard que Gamet allait se mettre à table. Hein? Alors il lui a fermé le bec. Qu'est-ce que tu racontes? Il l'a tué. Non. Mais où ça? En allant chez le juge d'instruction. Et comment? Ah. Mystère, Marval est en train de résoudre le problème. Hmm. Police scientifique, mon cher. Mais elle a du bon. Sans elle, vous êtes bien souvent aveugle dans bien des cas. Hein? Oh, Dieu. Mais oui, bien sûr. Oui, ça vous embête de voir que le microscope est plus efficace que le passage à tabac. Hein? Oh, alors ça, tu me fais rigoler. Eh ben, marre-toi. Les durs, ils comprennent que la maillotche. Elle a dit, je suis ton copain, moi, tu me frapperas pas, le fin. Nous venons de terminer l'analyse du sang et des viscères de la femme Desroches. Elle a été empoisonnée comme Gamet avec le même poison. Mais à peu près de la même manière. Non. Si. La femme Desroches a été piquée derrière l'oreille droite par une pointe enduite d'un poison dont j'ignore la nature et qui a provoqué une mort foudroyante. Et Gamet? Il a été tué par cette fléchette que le médecin légiste a trouvé enfoncée dans son cou. Vous voyez cette petite pointe? Eh bien, elle était enduite du fameux poison.
Mais comment Gamet a-t-il été atteint par le projectile? Bon, embusqué derrière une fenêtre, un individu a très bien pu tirer sur lui avec une carabine à air comprimé. Je vais m'occuper de ça immédiatement. Mais c'est ici qu'il est tombé en portant la main à son cou. Donc le projectile est parti de ce côté-là, du haut de cet échafaudage sans doute. Oui, ça doit être ça. Le fin, emmenez un gardien avec vous, qu'il surveille l'échafaudage et qu'il empêche quiconque d'en approcher. Je vais voir Marval. J'ai repéré l'endroit où le tireur s'est embusqué. C'est un échafaudage que vous apercevrez en sortant du palais de justice. Bon, eh bien, je vais aller y jeter un coup d'œil. Peut-être trouverai-je là le fil qui nous conduira à l'assassin de Gamet. Allô? Ah! Mon cher commissaire, tenez-vous bien. J'arrive de l'échafaudage et j'y ai trouvé le fil conducteur. Oui, à vrai dire, ça n'est pas précisément un fil. Ah, qu'est-ce que c'est? Et je vous le dirai. Et je vous dirai bien d'autres choses encore qui vous étonneront, j'en suis certain. J'ai hâte de savoir. Mais vous saurez tout. Dès que j'aurai vérifié mes soupçons. À propos, je vous annonce la visite de Gordy qui vous apporte à tout hasard des photos qu'il a prises hier chez Chang. Ah, bonjour Gordy. Bonjour monsieur le directeur. Je vous apporte des petites photos. Oui, je suis au courant. Ah bien, nous allons les examiner immédiatement. En même temps, je vous donne aussi une petite note explicative. C'est une excellente idée, merci. Oh. Il y en avait du monde sur ce plateau. Oh. Il y avait la vedette, six bons, et puis des paysans, enfin une trentaine de personnes. Mm-hmm. Eh bien, passez le voir d'ici une heure, et si j'ai trouvé quelque chose, vous serez le premier informé, comme d'habitude. Eh bien, je vous remercie, monsieur le directeur. Au revoir, Gordy. Venez, Raymond, nous allons voir ça. Première photo, une vue de l'assistance. La seconde est ratée. En voici une autre. Ah, celle-là est excellente. Ici, le sacrificateur plonge son couteau dans le sein de la chinoise et le sang doit couler d'une petite baudruche dissimulée sous son aisselle. Très ingénieux. Le sketch est terminé, le rideau tombe et le public applaudit. Voyons le suivant. Photo prise au cours du premier appel. Il y en a une bonne demi-douzaine. Bon, et après. Sixième cliché, un autre rappel. Tiens. Voici enfin le dernier. Le plateau est vide et Viviane Desroches est morte. Oui, c'est le moins important. Non, je voudrais revoir les numéros 4, 5 et 6. Parfait. Maintenant, dites-moi, Raymond, qu'est-ce que vous avez remarqué? Ma foi, rien de spécial, patron. Tenez là, regardez. Entre ces deux bonzes, le paysan qui a le dos tourné. Oui, en effet. Et qui a disparu sur le cliché suivant. Ah oui, il y a un vide à la place qu'il occupait. Maintenant, revoyons la scène du sacrifice. Tenez, le paysan, c'est celui-là. Alors, ce serait lui l'assassin? Il y a de grandes chances. Oui, d'autant plus qu'il a quitté la scène précipitamment. Et voyez comme il a un masque spécial, très différent de ceux que portent les autres paysans. Bon, eh bien, ça va. Lorsque nous savons qui se cache derrière ce masque, l'énigme sera pratiquement résolue. D'ailleurs, j'ai une idée à ce sujet. Allô? Allô, Sanoir? Ici Marval. Dis-moi, Sanoir, seriez-vous assez aimable de me confier les clés du garage Gamet? Oui, bien sûr. Voulez-vous les quand? Le plus tôt possible. Je vous les fais porter tout de suite. Alors, vous connaissez le nom du mystérieux chef de gang? Oui, je crois. Mais pour plus de certitude, j'ai demandé à Sanoir de nous envoyer les clés du garage Gamet. Quand on les apportera, vous les prendrez. Et cet après-midi, après déjeuner, voilà ce que j'aimerais que vous fassiez. Vous parlez de vos bêtes avec tant d'émotion, d'amour, que je me risque à vous demander de me les montrer. Ah, c'est que je ne les montre pas à tout le monde. Oh, ne soyez pas méchant. Oh, on ne croyait pas ça, mais elles sont vite effarouchées, alors... Une minute seulement, juste le temps de leur parler, de les caresser. Un caprice, quoi. Un petit caprice d'enfant gâté. Mon Dieu, oui. Eh bien, venez avec moi, je vais vous les montrer.
Entrez. Qu'est-ce qu'il a, votre petit singe, à crier comme ça? Oh, rien, il a peur, il n'a pas l'habitude d'avoir du monde. Vous êtes ici chez moi. Est-ce que c'est curieux? Vous avez des choses magnifiques. Ah, il y en a même de très rares. Et le cadre est original. Ah, vous ne pensiez pas trouver une chose comme ça, hein? Oh, certainement pas. Ah oui, vous pensiez plutôt trouver une collection de casseroles. Ma foi, oui. C'est ici que je me repose, loin de la cuisine et des clients. Ah, ah. Voici mes amis. C'est ici, avec eux, que je passe les meilleures heures de ma existence, loin des hommes et de leur méchanceté. Oh là là, vous êtes bien sévère pour notre pauvre humanité. Ah, l'expérience de la vie. Les hommes sont des animaux bien étranges et parfois dangereux, tandis que les bêtes sont quelquefois moins bêtes que les hommes. Eh bien, abandonnons les hommes et parlez-moi de vos animaux. Avec joie. Je vous présente les trois Z. Les trois Z? Zozo, le mâle. Zaza, la femelle, tous deux originaires des Antilles. Et Zizi, leur fils, né ici même, à Rouen. Donne la main, dis bonjour à la dame. J'adore les petits singes comme toi, tu sais. Non, tu ne me crois pas? Oh, ils sont vraiment charmants. Jamais méchants? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'ils le soient? Ils ne fréquentent pas les hommes. Ils ne voient que moi qui les aime et leur prouve. Mais tu trembles, trésor. Malon n'est pas peur. C'est normal, il n'a pas l'habitude d'être tenu par quelqu'un d'autre que moi, alors. Tiens, retourne avec ton papa. Oh, pardon. Il n'y a pas de mal, mademoiselle. Vous avez raison, je suis un papa pour lui. Tenez, je vais vous montrer Joko. As-tu bien déjeuné, Joko? Gentiment, toujours bon gueuleton. Mais d'où viennent toutes ces belles choses? Ah, j'ai hérité ça d'un oncle qui a fait le tour du monde. Ils vous ont plu, mes petits amis? Énormément. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous me faites. Eh bien, tant mieux. Vous êtes satisfaite? Très satisfaite. Mais il fait vraiment très chaud. Oh, ben c'est normal, ces bêtes sont très frileuses et fragiles. Oui, mais il fait chaud. Mettez-vous à votre aise. Et comment en êtes-vous arrivé à soupçonner Simon? Il avait l'air tellement bon enfant. D'abord, lorsque j'ai trouvé le fil conducteur. Ah oui, ce fil qui n'existe pas. Oui, quelques poils qui adhéraient à un petit morceau d'écharpe de soie arraché par un des crochets de l'échafaudage. J'ai tout de suite pensé à des poils de singe. Mais de là au singe de Simon. Ensuite? Eh bien ensuite, lorsque j'ai examiné les agrandissements des photos de Gordy, j'ai à nouveau pensé à Simon et à son fameux musée. J'avais bien visité ce musée autrefois et son zoo, mais je n'en avais pas de souvenirs précis, il me fallait des preuves certaines. Alors j'ai envoyé mon assistante Betty rendre une visite à ce brave Simon, en lui recommandant de faire du charme. Vous savez comme il est sensible à la beauté féminine. Vous savez, j'ai un peu exagéré tout à l'heure. Exagéré? Oui, croyez que je pense autant bien des femmes, des jolies femmes, que je pense de mal des hommes. Je vous offre quelque chose? Non, merci, il faut que je m'en aille. Excusez-moi. Qu'avez-vous? Je ne sais pas, je ne me sens pas bien. L'odeur des singes, excusez-moi. Ah, allons bon. Alors, remettez-vous. Merci. J'ai la gorge horriblement sèche. Ah, vous voulez un peu d'alcool? Du whisky? Non, non, pas de whisky, simplement un verre d'eau. De l'eau? Bon, attendez-moi deux secondes, voulez-vous? Elle devait me rapporter quelques poils d'un très jeune singe. Découvrir, si possible, le masque de paysan dont j'avais fait un agrandissement... comme ça. Et enfin, surtout, elle devait tâcher d'entendre et de repérer le télétype dont je soupçonne l'existence. Le télétype, comment ça? Oui, j'avais envoyé Raymond au garage Gamet. Ah bon, les clés, c'était pour ça? Il avait pour ambition de faire marcher le télétype du garage toutes les 10 minutes, à partir de 14h30. Qu'est-ce que vous faites là? Je me suis sentie mieux, je me préparais à partir. Par là? Mais excusez-moi, c'est la première fois que je viens et... Reste là. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est ça que tu cherchais, hein? Mais vous êtes fou, monsieur Simon? Ah, j'ai compris. Mais... Ça vient du garage, il n'y a que les poulets qui peuvent faire marcher ça maintenant. Qu'est-ce que vous dites? Rien, écoute-moi. Non, laissez-moi, je vais m'en aller. Ah, plus maintenant, cette petite garce, hein? Tu es venu ici pour moucharder, tu as failli m'avoir au sentiment. Mais je t'emmerde, toi et tes flics, et je vais te fermer ton joli bec. Hein, je suis vraiment très inquiet pour Betty. Pourvu que Simon ne l'est pas. Non, écoutez, si vous êtes inquiet, allons-y. Thank you.
Qu'est-ce que c'est, messieurs? Le service est terminé. Police. Vous avez un mandat? De quoi je me mêle? Où est ton patron? Chez lui, probablement. Qu'est-ce que vous lui voulez? Ça te regarde pas. Ouvrez-moi cette porte. Ouvrez, police! Police, ouvrez! Allez, voyez bien, Simon! Betty. Betty! Parlez-moi, Betty. Il faut m'ouvrir ça, hein? Mais ça a l'air blindé, patron. Il va sortir quelque part, pas loin d'ici, il faut faire gaffe. Alertez le bureau qu'on nous envoie du renfort. Et faites cerner le pâté de maison. Oui, patron. Cette brute a voulu m'étrangler. Je vous demande pardon, Betty. Jamais je n'aurais dû vous exposer. Ce ne sera rien. Tout est là, comme vous l'aviez dit. Télétype. Masque de paysan. Regardez ici, le masque de paysan chinois. Ah oui, en effet. Ah, j'avais fait une erreur. Ce n'est pas avec une carabine à air comprimé que Gamet a été tué, mais avec une de ses sarbacanes. Viviane aussi? Non, les paysans chinois portaient des sortes de lances. Simon avait dû enduire de poison la pointe de la sienne. Il a supprimé Viviane et il s'est débarrassé de Gamet. Il avait peur qu'il le dénonce. Bon, eh bien, je reconduis Betty chez elle et je rentre au laboratoire. Vous me préviendrez pour le premier interrogatoire de Simon. Comptez sur moi. Je serais content d'entendre ce curieux criminel nous parler d'autre chose que de sa cuisine et de ses amis les bêtes. Ah, à propos, Barbier a trouvé deux valises à la gare avec les millions de rameaux. Eh bien, bravo. Encore grâce à vous. Je vous en prie, ne m'accablez pas. Au revoir, mon cher directeur. Au revoir, Salvoir. Au revoir, mademoiselle, et merci. Ça y est, ils ont dû le coincer. Venez, Langlois. Venez, donnez-moi votre valise. Non, non, laisse ça. Donnez-moi votre valise. Non, laisse. Ça. Marvel, sans lui, vous ne m'auriez jamais eu. Alors, patron,
Il y en a un qui va pas être content. C'est Marval. Rouen, quelle histoire, hein, crois-tu? Oh, ce Simon, dis donc, mais je me demande si je ne rêve pas, moi. Alors, vieux, tu penses pas, là, tu ne penses pas la soirée avec moi, non? Gabi a une copine. Non, non, merci, je m'en vais. Je me demande si je restais, ce qui pourrait encore m'arriver. Non, écoute, ça, je t'aime bien. Tu as été pour moi mieux qu'un ami. Si, 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 un frère. Mais avant que je remette les pieds à Rouen, tiens. Ça a gros sur le cœur. Hein. Alors, si tu viens pour le congrès, tu me fais signe, hein? Bon voyage, à bientôt. Au revoir, vieux, et merci encore. Hein. Et puis tu sais, Paul, maintenant, les petites amies de rencontre, et Nini, c'est fini.